Bon moyen de travailler. Bon moyen de faire ce que j'ai à faire. Quand je te disais, Luc, qu'il y en avait trois sur mon bar. Et voilà! Hey, et voilà! Bon, excusez pour le dérangement, là. Continuez à travailler, les gars, là. Fait que là, Félix, on voit bien que c'est pas des affaires arrangées. Non. C'est un peu pour ça que Daniel et son équipe ont parti leur juste. Mm-hmm. On veut vraiment que ce qu'on voit, c'est ce qui se passe. Exactement. Là, aujourd'hui, tant mieux. Il se passe des affaires imprévisibles. On a du plaisir. Mais là, c'est le temps de passer aux choses sérieuses. On t'a vu dans le dîner. Et puis là, quelqu'un qui veut vraiment pousser ça un petit peu plus, on a des machines qu'on peut justement là, aller acheter, se procurer pour travailler sa glace. Oui, exactement. Ces machines-là, c'est des machines qui ont été développées, qui ont été conçues vraiment pour pêcher sur la glace. C'est un système de LED qui va nous marquer l'information que l'écho envoie dans l'eau. On peut prendre, comme le Lawrence là-bas, on peut prendre cet appareil-là, portatif, y installer une sonde d'hiver et pêcher avec. Sauf qu'on va toujours avoir un petit délai. Mais ça fonctionne super bien. Là. Quelqu'un qui veut vraiment, tu sais, qui a sa machine à la maison, puis qui garde, je n'ai une machine, pourquoi je n'achèterai un deuxième? Ça fonctionne super bien. Si monsieur va à truite l'été, il se loue sa petite chaloupe, l'hiver, il va faire une sortie ou deux, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Celui-là qui veut vraiment se perfectionner, ben là, on va avoir les sonores de type flasher. C'est des sonores à cadran lumineux. Fait que ce sonore-là, vu que l'info rentre direct dans la machine, que c'est des lumières qui représentent les infos que la sonde y envoie, bien, il n'a pas de délai. Il n'a pas de délai. Puis en plus de ça, on s'entend l'hiver, ça arrive qu'il fait fret. Bien, ça, jamais qu'on va avoir de problème, même si on pêcherait à moins 30, moins 35. On voit Luc, ici, ma dandinette, puis on s'entend aujourd'hui, on pêche avec un petit Power Nymph, une tête, un 32e, c'est vraiment pas gros. On voit la puissance puis la précision de ces instruments-là. On voit très bien ma dandinette. Ouais, ouais. C'est instantané. On va voir arriver un poisson. Avec ces appareils-là, il y a possibilité d'avoir des appareils munis d'un zoom. Avec cet appareil-là, ben mon zoom est dynamique. Je peux le placer où je veux. Fait que ici, on voit qu'il y a 28 pieds d'eau. Okay. Puis 4 pieds au-dessus du fond, je suis vraiment zoomé pour voir vraiment très précisément mon leurre. Puis le restant de ma colonne d'eau est ici. Ça, c'est pour des vieux yeux comme les miens. Ben, si tu veux ou ben non, si tu pêches ben creux. Puis mettons, là, je peux voir aussi quand tu travailles de haut en bas là-dedans. Là. Oui, exactement. Regarde, tu vois, mon leurre est là. Regarde, je le monte. Okay. Le leurre redescend vers le fond. Oups, je l'arrête. On remonte. T'as-tu vu? Oui. C'est instantané. C'est un détecteur d'humeur de poisson. Ça, cette machine-là, on va avoir la facilité, on va voir qu'est-ce qui se passe en dessous de nos pieds, puis en plus de ça, on va voir arriver un poisson, puis c'est lui qui va nous dire qu'est-ce qu'il veut. Il est boudeur, il est affamé, etc. Il arrive à grande vitesse sur notre appareil, bon, on va dandiner assez agressivement. On va le faire moi. S'il arrive doucement, là, ça donne rien de brosser ton leurre comme ça. Il va en avoir plus stagnant. Oui, exactement. Fait qu'on va apprendre à travailler avec ces machines-là. C'est quelqu'un qui goûte à ça, puis à ça, après ça, il ne peut plus passer de ça. Il va toujours avoir les yeux rivés là-dessus. Un petit peu comme nos ados qui sont sur le téléphone intelligent. Puis... Ouais. Moi, ça, c'est ma bébelle à moi, pour la pêche à la glace. Ben là, on a des réponses à nos questions. Les machines sont disponibles. On a des conseillers dans les Équatons à travers le Québec. Puis avec leur juste, ben, vous avez les réponses.